entre deux rendez-vous, animé par Nicolas Nado, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Alors évidemment, on vous connaît également hein, pour la série Nos chers voisins sur TF1. Hein, cette série rassemble la vie et les relations du voisinage des habitants d'un immeuble hein, situé au 28 rue de la Source. Vous jouez d'ailleurs le rôle de Madame Jombier. Mais on parle oui. Un peu comme ça hein, dans la série. Hein. Ah non. Oh si, un petit peu. Un petit peu comme ça. En tout cas, c'est la propriétaire des appartements, des colocs qui ne payent pas leur loyer. Mais là, pour moi, elle a des similitudes avec Madame Batignolle. Hein. Ce sont des gens qui ne vivent que dans l'apparat. Elles s'en foutent de ce qui se passe autour d'elles. À partir du moment où elles récoltent du fric, où elles vivent dans des choses très opulentes. Et voilà, ce sont des égocentriques. Pour moi, Jombier, c'est Batignolle, c'est une Jombier. Ouais. Eh ouais, on n'est pas loin. Et la série s'est aujourd'hui arrêtée. Nous avons arrêté de la tournée. Mais elle est toujours diffusée. Et alors, vraiment dans des soirées entières sur TFX. Oui, tout à je fait. Je crois. Mmh. Parce qu'ils ont des centaines, si c'est pas des milliers, ils ont des milliers de sketchs à diffuser. À des milliers, ouais. Donc il y en a. Ah, c'est pas demain que ça va se terminer. Nous, on a arrêté de tourner, mais ça continue. Et est-ce qu'il y a des épisodes de Nos chers voisins qui n'ont jamais encore été diffusés ? Oui, tout à fait. C'est encore dans les tuyaux. Je regarde pas tous les soirs, mais c'est évident, il y en a tellement, tellement. Donc finalement, on annonçait que la série était terminée, mais vraiment pas en diffusion, quoi. Parce que c'est pas des rediffusions, c'est même des inédits tout de même. Il y a souvent des inédits, oui. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.